production des studios de films de vulgarisation scientifique de Moscou. L'état d'apesanteur. Dans ce film ont été utilisées des séquences uniques prises au cours des vols expérimentaux en vue de l'étude de l'apesanteur. Les remarquables exploits des cosmonautes soviétiques ont ouvert à l'humanité la voie du cosmos. La domestication de l'espace exige de la science la solution de nombreux problèmes fort complexes. L'un d'eux est celui de l'apesanteur. Un homme peut-il, après s'être arraché de la Terre, vivre et travailler dans cet état fantastique où les corps perdent leur poids? Si nous envoyons dans le cosmos une masse d'une tonne, son poids diminuerait à mesure qu'elle s'éloignerait de la Terre. Car en vertu de la loi de l'attraction universelle, la force de l'attraction diminue à mesure de l'accroissement de la distance. Et enfin, quelque part bien loin de la Terre, notre masse perdrait tout poids. De même, chaque atome du corps du futur astronaute et de tous les objets qui l'entourent se trouveront dans cet état d'apesanteur complète. Cela nous arrive parfois sur Terre. Ainsi, lors d'une chute ou d'un saut, notre corps nous paraît impondérable. Ce sont les parachutistes au cours de sauts à ouverture retardée qui se trouvent le plus longtemps dans cet état. Pendant les premières secondes de chute libre, avant que la résistance de l'air ne lui fournisse un appui, le parachutiste est impondérable. Mais en quelques secondes et dans des conditions qui présentent un certain danger, il est extrêmement difficile d'effectuer de sérieuses recherches scientifiques. Les savants ont trouvé un autre moyen de créer l'état d'apesanteur. En effet, cet état peut être obtenu lors d'un mouvement curviligne. Par exemple, au cours du vol d'une fusée autour de la Terre, alors que deux forces s'exercent sur la fusée, la force centripète de l'attraction terrestre et la force centrifuge qui tente à éloigner la fusée de la Terre. À la vitesse de 8 km à la seconde, la première vitesse cosmique, ces deux forces s'égalisent et se détruisent réciproquement. Il en résulte l'état d'apesanteur. Pour l'obtenir à une vitesse moindre, il faut lancer le corps considéré suivant une trajectoire d'un plus petit rayon de courbure. Dans ce cas, on peut recourir à l'avion. Sur cette partie de son itinéraire, l'avion et tout ce qui se trouve à bord seront impondérables. L'avion destiné à effectuer ce vol expérimental est prêt. Ses premiers passagers seront un savant et un opérateur de cinéma. Tout ce qui se passe dans ce laboratoire volant de l'apesanteur a été fixé sur bande. Chaque séquence est un document précieux qui permet l'étude du phénomène encore peu connu de l'impondérabilité. Nous vous présentons ces documents scientifiques qui furent filmés bien avant le premier vol de l'homme dans le cosmos. Attention,
l'état d'apesanteur. L'air impondérable ne fait plus tourner le ventilateur. La bougie s'est éteinte. L'acide carbonique a étouffé la flamme. L'allumette acquiert les propriétés d'un moteur à réaction. Le liquide s'étale sur les parois du récipient, tandis qu'une bulle d'air se forme au milieu. Hors du récipient, l'eau se présente sous forme de boule. Tout est bizarre, tout est étonnant dans le monde inconnu de l'apesanteur. Le pigeon voyageur est abasourdi. Il a perdu le sens de l'orientation. Où est le haut? Où est le bas? Quant au chat, il vole avec plus d'assurance qu'un oiseau. La première expérience sur l'homme. Des dizaines de capteurs enregistrent le travail du cœur et des poumons. Les appareils prouvent que les battements du cœur et la respiration redeviennent normaux après quelques secondes. L'état de l'homme dans l'impondérabilité dépend dans une large mesure de l'appareil vestibulaire situé dans l'oreille interne et qui constitue une sorte de boussole permettant de s'orienter dans l'espace. Les deux cavités du vestibule de l'oreille interne contiennent d'infimes concrétions sensibles à la pesanteur et aux accélérations liées à l'extrémité du nerf vestibulaire. Sous l'effet de la pesanteur, ces concrétions pèsent sur l'extrémité du nerf et des impulsions viennent informer le cerveau de la position du corps dans l'espace. Dans l'état d'apesanteur, ces concrétions cessent de peser sur le nerf, les impulsions changent et pour un bref délai, l'homme perd le sens de l'orientation. Les animaux le perdent pour un temps considérable et indéterminé. Dans l'état d'apesanteur, ils tournent sur eux-mêmes d'une façon incohérente, essaient de trouver leur attitude normale, mais ne la trouvent pas. Qu'arriverait-il si l'on procédait à l'ablation des deux cavités du vestibule de l'oreille interne? De telles expériences ont été faites. Le cobaye que vous voyez en bas a subi cette opération. Sur la Terre, il a l'habitude de s'orienter grâce aux autres organes sensoriels. Et dans l'impondérabilité, il est tout à fait calme. Dans cette expérience, chez le poisson que vous voyez en bas, le travail des cavités du vestibule a été suspendu, tandis que chez les autres poissons, ces cavités fonctionnent normalement. Voyez comment se conduisent ces poissons qui se trouvent dans l'eau à l'état d'apesanteur. Sur la Terre, l'appareil vestibulaire est utile. Dans l'impondérabilité, c'est une source de perturbation. Au cours des vols expérimentaux, il importait de vérifier si, dans l'état d'apesanteur, l'homme peut procéder à des travaux exigeant une certaine précision. En effet, dans cet état, les mouvements les plus simples deviennent extrêmement compliqués. Et voici pourquoi. Pour appuyer un bouton, par exemple, il faut lever et tendre le bras. Lors de ce mouvement, le moment de la force de gravité du bras s'accroît considérablement. Par la force de l'habitude, nous exécutons ce mouvement automatiquement. Dans l'impondérabilité, le poids du bras disparaît, tandis que l'habitude prise reste, ce qui fait que la main devrait se trouver porté au-delà du point à atteindre. Fait bizarre,
Le bras est impondérable, mais l'homme atteint son but avec précision, contrairement à ce qui se passe en théorie. Quelle en est l'explication? Les yeux. Ce sont eux qui dirigent le mouvement de la main, au mépris de l'habitude. Mais voici que l'homme ferme les yeux, et alors l'habitude, contractée au cours de nombreuses années, emmène la main bien au-delà du point à atteindre. Les cosmonautes et les futurs astronautes devront pendant de longues heures s'entraîner à contracter de nouvelles habitudes correspondant à l'état d'apesanteur. Il leur faudra s'accoutumer à de nombreuses conditions nouvelles. Il faut faire attention lorsqu'on manipule de l'eau, car elle ne coule pas, elle s'échappe en petites boules. Dans le cosmos, on ne peut boire que d'un tube ou au moyen d'un chalumeau. Il fallait vérifier la possibilité de se déshabiller et de s'habiller dans l'état d'impondérabilité. Et aussi de décrocher le parachute. Dans ce monde extraordinaire, ce lourd équipement n'entrave en rien les mouvements. Bien avant les cosmonautes, les savants ont éprouvé les sensations de la natation libre dans la piscine de l'apesanteur. Cette jeune fille s'est trouvée pour la première fois dans l'état d'apesanteur. Elle se sent parfaitement à l'aise. Mais rares sont ceux qui, sans un entraînement spécial, supportent aussi facilement cet état. Les cosmonautes sont les vrais champions de la piscine de l'apesanteur. Ils s'y sont tous entraînés, y ont appris à diriger leur corps, à coordonner leurs mouvements et à s'orienter dans l'espace. Il est prouvé que dans l'impondérabilité, la force musculaire est presque entièrement conservée. Pendant le vol libre, on est obligé d'écrire dans les poses les plus extraordinaires. Mais l'écriture n'en souffre presque pas. Il convient de préciser que dans l'état d'apesanteur, on éprouve la sensation d'une chute vertigineuse dans le vide. Ce sentiment est si réel qu'on a de la peine à maîtriser son effroi. Mais après un certain entraînement, les cosmonautes ont appris à commander à leur corps et à leurs sentiments. Bien plus, la natation dans la piscine de l'apesanteur leur procure un véritable plaisir. Un sentiment de légèreté étonnante vous envahit. On a la possibilité de se déplacer dans l'espace, dans n'importe quelle direction. Les vols expérimentaux de l'avion laboratoire ont permis aux savants de progresser dans l'étude de ce passionnant problème scientifique et aux cosmonautes d'effectuer leurs premiers vols spatiaux.
Trotter, Goroff et Yougoff. Prise de vue, Anikine, Nikitenko et Shishkov. Prise de son, Kutuzov.